Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Le fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils de Joseph.
Le fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils de Joseph. Dieu qui seul est Père, nous te prions. Dieu très saint, tu as révélé à Joseph le mystère caché depuis les siècles. Fais-nous connaître le Christ, fils de l'homme et fils de Dieu. Dieu très haut, tu nourris tous les oiseaux, tu prends soin de la fleur des champs. Donne-nous le pain de la vie éternelle et le pain de ce jour. Dieu de paix, tu veux tout rendre juste, tu veux nous rendre juste. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Créateur du monde, tu nous as confié la terre, fais que tous les hommes puissent vivre de leur travail. Dieu de vie, soutient la foi de ceux qui vont mourir, qu'ils aient part avec Marie et Joseph à la joie de ton royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.